Zouhar alaikum, mrahba bikoum sur Beurre TV dans une soirée un peu spéciale aujourd'hui. On va vous faire découvrir la beauté de demain, la beauté algérienne de demain. Aujourd'hui aura lieu l'élection de Miss Elite Model Look Algérie. L'équipe de Elite Model Look a sillonné l'Algérie, Bchilqa ou les beautés algériennes. Une beauté algéroise, oranaise, constantinoise, etc. Toute l'Algérie est représentée sur le podium aujourd'hui, donc djouzou la soirée ma'ahom jusqu'à ce qu'ils choisissent la plus jolie fille de la soirée, Lihia Bdourha, elle va faire le tour du monde pour représenter l'Algérie les concours internationaux de Elite Model Look. Moi pour le moment, et puis à tout à l'heure. Cool Shibda par une simple inscription à un casting. أجمل الجميلات جاو من كل أنحاء الجزائر باش يعيشوا على شلالة لو غيف أبسولو دو دوفنيغ توب موديل في وحدة من أكبر ليزاجونس في العالم ألا وهي إليت. أبخي نو دوفيان با مانكان كي فو كانو كاينين شروط مهمة باش يترشحوا هاد البنات لا تاي لو بوا لاج إي بوي زين بيان سور كواكو سي رولاتيف. هدرنا مع أرسلان وحياة عضوان من لوغانيزاسيون اللي فهمونا كيفاش ديرو إلا حبيتو تولو لا بروشين ميس إليت موديل لوك. ألوغ لو كونكور إليت موديل لوك أون كيلكو مو. ألوغ سي كونكور انترناسيونال شاك أني يل فون تور دو موند pour découvrir les top modèles de demain. Et voilà, ça s'est passé aujourd'hui en Algérie. La finale mondiale, ça sera pour décembre. Et espérons que la gagnante aura sa chance parmi les plus grandes de ce monde. On lui souhaite, mais bon, aujourd'hui, c'était la sélection de la Miss Elite Model Look Algérie. Mais il y a eu des présélections, des sélections, un concours. Comment les jeunes filles qui sont en train de nous regarder maintenant, peut-être ici ou en dehors des Algériennes en France, qui veulent peut-être participer à l'édition de l'année prochaine, comment devons-nous faire devant... sur le terrain cette année. Ben, en fait, nous avons sillonné 5 villes. Nous avons commencé par Oran, et puis Constantine, Annaba, Béjaïa. Nous avons fini par Alger. Nous avons eu plus de 350 candidates, ce qui est vraiment énorme pour une deuxième édition. Nous sommes très très contents. Et il y a eu une demi-finale de haut niveau. Donc nous avons fait une présélection dans toutes ces villes. Toutes les présélectionnées sont venues sur Alger afin de participer pour la finale. Donc parmi les 50, il y a eu les 10 que vous avez vus donc ce soir. Parfait. Et pour l'année prochaine, donc est-ce que ça se j'imagine que ça se prépare déjà? Exactement. Ça se prépare dès demain. Alors justement, comment les jeunes filles qui sont en train de vous regarder ce soir et qui veulent participer l'année prochaine, comment donnez-leur des conseils, expliquez-leur comment il faut faire. Ben déjà, il y a le site www.elitemodellookalgeria.com. Et il y a les critères. Si elle mesure plus d'1m70, âgée entre 14 et 22 ans. Bon, bah c'est clair, moi j'ai zéro chance. Pas grave, Kane Zinzer, Kane Bzev qui remplissait parfaitement les conditions. Justement, il y en avait beaucoup de jolies jeunes femmes, mais le but était d'en garder que 10 pour la grande finale. Un casting s'en suivit. كل واحدة فيهم مدت كل اللي عندها وتفكرت واقي الأيام صغرها quand elle jouait au mannequin à la maison. Beauty in the wild, always beauty in the wild.
Finalement, quelques-unes furent sélectionnées et elles ont eu droit à la totale pour le casting final. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. La compétition fut féroce. Du tout. Mais il n'y avait que 10 places. 10 belles ragazze avaient le sourire aux lèvres et des rêves de podium plein la tête. À elle, la vie de star à présent. D'abord, un relooking and esm kbir ou alami lil hilaqa. Elles se sont faites chouchouter et dorloter pour être peut-être Malikat El Jamel. Ça fait rêver tout ça, hein?
Après le relooking, un shooting s'impose, hein, Ramia Sidi. Séance photo avec un grand photographe digne d'une Kate Moss. Wear a warning, it's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it. Le soir de l'élection, واحدة من هاد العشر بنات تولي لاميس إليت موديل لوك ألجيري وتمثل الجزائر في لي كونكور انترناسيونو تاع إليت.
l'heure fatidique s'approchait, plus le stress montait. Elles ont encore toutes le sourire, mais l'heure tourne. Qui ose le gars Al-Hudour ou les membres du jury Oujdou, le show peut commencer. Je vous laisse apprécier les différents défilés que ces princesses d'un soir ont performés sur le podium. Love your life.
blast. Turn it down, turn it down. Don't want it to clash with my body screaming out now. I know you hearing it. You got me moaning now. I got a secret that I wanna show you. Oh, I got a secret, I'ma drop them to the floor. No teasing, you waited long enough. Go deep, I'ma throw it at you, can you catch it? Don't hold back, you know I like it rough. Oh, I'm feeling you, huh? Know you're liking it, huh? Why you standing over there with your clothes on? Baby, strip down for me, gon' take them off. Don't worry, baby, I'ma meet you halfway, cause I know you wanna see me. Almost there. So baby, don't stop what you're doing, Softer than the mother boy, I know you wanna touch. Breathing down my neck, I could tell you wanna. And now you want it like, want you to feel it now. I got a secret that I wanna show you. Ooh. I got a secret, I'ma drop into the floor. No teasing, you waited long enough. Go deep, I'ma throw it at you, can you catch it? Don't hold back, you know I like it rough. So I'm feeling you, huh? Know you're liking it, huh? Why you standing over there with your clothes on? Baby, strip down for me, gon' take them off. Don't worry, baby, I'ma meet you halfway, cause I know you wanna see me. No heels, no shirt, no skirt, all I'm in is just skin. No jeans, take them off, wanna feel your skin. You a beast, oh, you know that I like that. Control, ain't nothing wrong with that. Say you liking how I feel, ain't gotta tell me that. Just put your skin, baby, on my skin. No heels, no shirt, no skirt. All your men is just skin. No jeans, take them off, wanna feel ya. You a beast, oh, you know that I like it, baby. Come here, baby, all I wanna see you when it's just skin. Oh, oh, your skin. Le stress est à son comble. Le jury a décidé, une nouvelle Miss va être couronnée ce soir. Monsieur Fouenali, the winner is... La gagnante est... Linda.
chose pour cette jeune fille de 17 ans. Elle participera en décembre à l'élection Elite Model Look Monde. Rouhna hadarna ma un membre du jury li fait maintenant l'irtiar tahom. It was basically last minute choice and I'm really pleased about it. But why this choice? Basically, when I take the pictures of all of the girls, then I basically find out that she's the most photogenic one. That's why. But she's very, very young, only 17. Yeah, that's the aim of the competition, basically, because you have to be from 14 up to 22. And obviously, the younger the girl is, it's better. I'm not talking about 14, but 17 is exactly like right age to start. And because you're going to train the girls a lot and it takes quite time when they become proper models. Et nous n'allions pas rater les impressions de notre reine du soir. Je suis très contente, très fière de représenter l'Algérie et j'espère aller au plus loin dans cette compétition. Tu as quel âge ? J'ai 17 ans. Waouh, c'est jeune, 17 ans. Tu es au lycée ? Oui, je suis en deuxième année lycée. Et tu as envie de faire une carrière de mannequinat ou poursuivre tes études ? Ou est-ce que tu as donc maintenant que tu sais que tu peux être dans le mannequinat ? Ben, pour l'instant, je poursuis mes études et en même temps, mannequinat. T'as un message à passer à tes parents peut-être ou à quelqu'un ? Ben, je remercie mes parents de m'avoir soutenue et de m'avoir poussée dans cette compétition. Et c'est grâce à eux que je suis là, bien sûr. Ah, des rêves plein la tête, des espoirs plein le cœur. Je vous laisse pour conclure la transmission du flambeau de Miss Elite Model Look 2010 à la toute nouvelle élue 2011. Tu avais un conseil à donner à la Miss de cette année, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ben, qu'elle reste elle-même et qu'elle n'oublie pas qu'elle est musulmane et qu'elle est algérienne aussi et qu'elle doit bien présenter l'Algérie là-bas.